réfléchi à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Joli. À voir, on croirait presque que c'est facile.
C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Après son excellent résultat du jour, Max Verstappen devient le leader du championnat des pilotes. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Mon pilote du jour, c'est Charles Leclerc. Rien ne pouvait l'arrêter sur le circuit aujourd'hui. Il a remonté ses concurrents avec facilité. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison.